on a eu des matchs difficiles. On menait 1-0. Lamine, il dirigeait bien son match. Disons qu'ils ont été très bons dans les moments importants. Et nous, on a manqué sûrement d'un troisième joueur pour être capable de pouvoir faire tourner un peu l'effectif. Parce que voilà, moi, j'étais vraiment atteint physiquement et mentalement. Et Lamine aussi. Donc, c'était très dur de gagner avec que deux joueurs. On le saura pour la suite. Et moi, je suis vraiment confiant pour l'avenir. Je pense qu'on va être capable de monter dans le groupe 1 l'année prochaine ou l'année d'après, en ayant des nouveaux dans l'équipe, des jeunes qui peuvent apporter ce qu'on n'a pas eu cette fois-ci. Non, mais c'était forcément un honneur. Je veux dire, il fallait être réaliste. On a joué une équipe du Danemark qui était bonne, des joueurs très bons qui ont pris leur chance à chaque match. C'était une rencontre compliquée, on le savait. Donc je me suis donné à 200%. Toute l'équipe se donnait à 200%, Lamine à 3000%, et c'est que du positif. En début d'année, on aurait prié pour rester dans le groupe 2. Là, on joue la montée en groupe 1, on est dans le groupe 2 l'année prochaine, c'est déjà bien. Et voilà, ça attendra encore un an de plus pour monter dans le groupe 1. Bah, je pense qu'on a plein de bons joueurs, plein de jeunes. C'est surtout ça qui est très positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la fin d'une série, on est en transition. Avec des anciens comme Lamine, des nouveaux comme moi et encore d'autres jeunes qui sont encore plus jeunes. Donc voilà, il va falloir recréer une nouvelle équipe. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec ça et ça va avoir lieu très prochainement. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir monter dans le groupe 1 bientôt.